Je sais pas pourquoi je vais invoquer aujourd'hui, alors que j'ai presque tout ce qu'il faut. Yo les potes, la forme ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle et aujourd'hui on va l'invoquer sur le portail de Metal Cooler Agi qui est arrivé sur la version globale aujourd'hui du coup. En ce mois pour moi ce n'est pas super rentable d'invoquer sur ce portail, mais je me suis dit allez pourquoi pas balancer quelques Mutis. On va peut-être avoir le retour de flamme hein, parce qu'on a eu beaucoup de chance ces derniers temps, donc on verra ça. On a le soleil en plein dans les yeux et on va lâcher une petite Mutie pour commencer à tâter la chance. Pour commencer à tâter la chance. Donc pour ce qui est des unités du détecteur, alors j'ai déjà Jiren. Bon, 5 persos, il n'y a aucune combinaison. Donc c'est pas terrible, terrible. SSJ2. Ah, SSJ2. Bon, ça sent pas très bon. Je disais donc que sur ce portail-là, pour moi, ça va pas être très rentable d'invoquer dessus parce que on va regarder ensemble les détecteurs juste après. Bon, en fait, j'ai déjà Jiren avec deux doublons. Et Mirai Gohan est une unité qui est vraiment pas mal du tout, mais en soi, elle ne m'intéresse pas tant que ça. Alors pour ce qui est de la Mutie, par contre, c'est une catastrophe. La chance aurait-elle tourné? Ah, elle a peut-être tourné, hein. Pff, oh là 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 là, ça sent pas bon. Ça sent pas bon, ça annonce la couleur, ça sent pas bon, pas bon du tout, pas bon du tout. Pour ce qui est des unités du coup du détecteur, on va voir ça ensemble. Alors on a le Metal Cooler Agi nouveau, le clan le plus vil. Donc on passera pas 20 ans sur le détecteur, vous inquiétez pas. Donc j'aimerais bien l'avoir, surtout que Extrême Agi, ça manque énormément de persos, surtout pour l'Extrême Agi, donc je kifferais l'avoir. Surtout que la team de Freezer, je la joue déjà en team Extrême avec le Freezer Tech en leader. Ce Vegeta, la nouveau Vegeta, très bien. Pourquoi pas? Après, je le vise pas du tout. Piccolo, il est bien, mais OZEF complètement. Mirai Gohan, j'aimerais bien l'avoir surtout pour la collection. Alors, c'est une bonne unité, mais sa team, je pense pas la jouer. Pour moi, c'est un sous-leader de Black Goku. Black Goku, il a une catégorie beaucoup plus large qui a à peu près les mêmes persos et plus encore. Donc, ouais. Mais il est très bon en sans mêlée, par exemple, et en plusieurs teams. Le Jiren, j'ai déjà deux doublons dessus. Franchement, je veux pas, ça me sert à rien. Le couleur, déjà un doublon dessus, c'est un monstre. Alors, je l'aime beaucoup cette carte. J'espère en avoir un autre parce que ça démultiplie vraiment sa force. Vu qu'il tank et en plus qu'il tape. Alors, le Frieza, je l'ai déjà 100%. Donc, vous voyez que sur ce détecteur, quand même, il y a lui que j'ai déjà 100%. Lui que je veux pas. Lui que je veux pas non plus. Lui qui me dit rien non plus. Donc, il n'y a pas grand chose. Donc, on a 400 DS, on va dans les 50, on va en relâcher 50. Ça dépend de la chance qu'on a. Hein. J'ai envie de lâcher 3 multi, voire 4. Alors, Krillin tout seul, apparemment, c'est soit détecteur, soit 3 SSR. Espérons que ça soit détecteur. Alors, on a un bye-bye. Donc, espérons que ça sera un double bye-bye. Comme ça, on a un Dokkan Fest garanti, ce qui serait cool. Pas de double bye-bye. Alors, ça serait cool qu'on ait quelque chose. Mon cœur est bas là, les gars. Il bat et commence à battre là. Piccolo. Ah, le nouveau Vegeta. Pourquoi pas? Ok, d'accord, je prends. Pourquoi pas? Il est très bon. Il est très bon. Après, c'est une unité qui va se retrouver hors détecteur après. Donc, on s'en fout. C'est une unité du détecteur. C'est toujours ça. C'est toujours ça, donc le Krillin qui a annoncé cette unité-là. Ok, on va avoir un Zamasu pour terminer. Multi plutôt bonne. Multi plutôt bonne. On a quand même un perso du détecteur qui est le Vegeta qui est plutôt très bon de mémoire. Je vais pas pouvoir le jouer parce que c'est un Vegeta Super Saiyan et que j'ai déjà le multiforme. Donc ouais. Ouais, pour ces invocations pour l'instant. Ça démarre pas si fort que ça. La roue elle a peut-être tourné les gars. Je pense que la roue a tourné. On a eu assez de chance ces derniers temps dessus. Sur le jeu, on a eu pas mal de chance. Ouais. Malheureusement, apparemment, là, ça. Oh! Ah, c'est bon. Là, il n'y a pas. Non. Tu veux pas me donner un truc. Enfin, je sais pas. Des trucs que je veux. Ça te dit pas 200 DS.
Oh, la catastrophe. Alors lui, en plus, j'ai même pas eu comme dernier perso de la multi. Oh! Oh le gigatroll! Non les gars, c'est pas croyable. C'est pas croyable, il y a un problème. Il y a un problème. Non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. C'est quoi ça? Vous vous rendez compte le taux de... Genre, il y a des persos, c'est obligé, il y a des persos qui ont un taux de drop augmenté, genre hors détecteur. C'est pas possible, les gars. Comment je peux en avoir deux sur la même ulti hors détecteur, genre? Le truc, il a même taux de drop qu'un LR, quoi. Même s'il n'y a pas d'LR sur ce portail. Oh, il m'a chié dessus. Bon, bah écoutez. Dernière multi. J'espère qu'elle va me sauver. Allez, sauve-moi, s'il te plaît. Dernière multi. Ça sent pas bon, hein. Ça sent... Bon bah écoutez, on peut pas avoir toujours de la chance, hein. On peut pas avoir toujours de la chance. Malheureusement, cette fois-là, le jeu nous aura eu, je pense. Ce qui est sûr, c'est que je mettrai pas plus de DS que ça dessus. Sauf si on reçoit des DS, peut-être un top rentable ou je sais pas. Mais ouais, des multis assez catastrophiques, hein. Assez catastrophique, c'est le contre-coup, je pense. Je l'ai déjà avec 3-4 doublons. Bon, c'est nul. Pour 4 multis, c'est nul. On a eu aperçu du détecteur, mais un hein, qui ont... Clairement, on s'en foutait. C'est pas un Dokkan Fest. Donc, bah écoutez, voilà pour cette petite vidéo. On a rien gagné, c'est le jeu, hein. On a eu pas mal de chance ces derniers temps, donc on va pas se plaindre. Écoutez, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner d'ailleurs. Pour être au courant quand je sors des vidéos pour soutenir la chaîne. Alors, encore une chose, le site du Dokkan Challenge est toujours up. Donc n'hésitez pas à aller checker, il est dans la description. Il y a les vidéos aussi du Dokkan Link que je mettrai sur le bouton i sur moi là. Donc n'hésitez pas à aller checker ça, ça fait plaisir. Je vous dis à la prochaine, je vous souhaite plein de luck pour vos invocations. Bye bye, plein de bisous, à la prochaine, ciao ciao.